Protostar Corporation n'est pas responsable des blessures pouvant survenir lorsque vous vous précipiterez pour profiter de cette offre limitée dans le temps. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Wildstar. Donc chers amis, je viens de voir qu'en fait j'ai des points à mettre. J'ai toujours pas. J'ai un point à mettre ici dans un point de rang d'aptitude. Après je n'en sais pas plus. Amélioration de rang niveau 45, niveau 25. C'est un finisher. C'est intéressant. Je vais prendre le finisher. D'accord. Je pense avoir fait le bon choix. Ok. Bon, alors nous sommes ici. Nous avions fait une quête, effectivement, je m'en rappelle. Et nous avions remarqué qu'il y avait un problème au niveau de la quantité d'XP que nous avions vis-à-vis de l'endroit où nous étions dans la quête. Récompense, système d'AMP, passe-temps. Bref. Mais ça, j'ai bien compris que j'avais des points à mettre aussi là-dedans. Ne t'inquiète pas. Ok. Nous avions donc vu comme une zone de quête, il me semble, un peu plus au sud d'ici. Voilà, village des chasses-tempêtes. Mais on n'avait pas déjà été à ce village? Ça me dit vaguement quelque chose, alors... Sauf s'il y a de nouveau des quêtes. Début du défi. What the fuck? Non, moi je joue pas à ça, moi monsieur. Hop. Alors est-ce qu'il y a des quêtes par là? Normalement non. Échec du défi. On voit bien que non. De ce côté-là, cette zone de quête-là est faite normalement. Ah, en fait, ça, ce sont des zones de quête. Vigie de l'éveil, on va aller voir là-bas. Si tout a été fait ou non. Alors, bon. Donc, je ne sais pas combien de temps durera ce let's play. Il pourrait très bien se terminer brutalement, entre guillemets. Pour la simple et bonne raison que c'est un MMO, donc ça a une durée de vie quasi illimitée et... Je pense peut-être partir sur quelques petits jeux sympathiques, si j'en trouve. Alors. Bon, je ne vois rien. Niveau quête. Avons-nous autre chose dans le coin? Apparemment, il y a là un campement, comme une communauté de chasse-tempête. On va y aller. Et on verra bien ce qui s'y trouve. Ah ouais, mais attends, si les chasse-tempêtes sont déjà... déjà un petit peu violent. Effectivement, c'était pas une bonne idée d'y aller, je sais pas. Parce que vous voyez, je suis niveau 11. Les quêtes que je prends actuellement sont niveau 12. Et bien quelque part où j'ai pas fait quelque chose. Vendeur de colons. Dit comme ça, c'est très bizarre, vendeur de colons. Mais enfin bon. Et on y est là dans la zone dangereuse. Mission d'explorateur. Ah, attendez. Moi ça m'intéresse, j'en ai pas encore fait des missions d'explorateur. C'est par où? Légèrement plus au sud. Pourquoi pas, hein, moi ça m'intrigue, hein. Je veux savoir. Comme dirait Tarzan, je veux savoir, montre-les-moi. Ces étrangers qui semblent pareils à moi. C'est ça la phrase, me semble. Alors. Un peu plus par là. Pourquoi pas, hein, moi je demande à voir. Hein. Ah, mais c'est encore ces trucs-là. Mais je sais pas comment les prendre. Est-ce qu'il faut du matériel spécifique? Est-ce qu'il faut... Apparemment c'est sur ce caillou. Donc au niveau du caillou je me trompe pas.
Maintenant, comment réussir à monter dessus? Telle est la question. Ou alors c'est un passage que je ne vois pas. Ça peut très bien être ça aussi, hein. Alors attendez, déjà là, ça me semble un peu plus facile de monter ici. Hop. Alors, je grimpe sur le caillou. Je grimpe sur le caillou. Ok. Ça ne me dit rien. Alors là, il y a quelque chose. Gisement de reliques. Niveau de chasseur insuffisant. Donc c'est pas ça. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose en allant par exemple directement sur la... Mission d'explorateur. Tâche. Ok, comment je fais pour réduire déjà? Ah oui, là. Ah non, c'est pas le bon truc. J'ai oublié. J'ai oublié. Jaillissement. Donc au niveau des jaillissements, on y est normalement, on est d'accord, hein. Alors est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas? Quelque chose que je devrais faire, une compétence peut-être. Journal des défis, donc ça doit pas être ça. Journal de vocation. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Déployer un bot d'excavation. Mais t'es drôle, toi, j'en trouve où des bots d'excavation? Enfin, ça... Enfin, c'est un peu facile de me dire ça maintenant. Enfin, je comprends bien, mais c'est... Bot d'excavation. Alors ça c'est bien, et pour les menus, pour les métiers, il y a tout ce qu'il faut. Par contre pour les vocations, il y a rien. Ou alors c'est que j'ai complètement passé, c'est possible. Mais enfin bon, sur le principe qu'est-ce que ça? Début du défi. Nager dans les courants. D'accord. Défi terminé. Médaille de bronze, pourquoi pas. Bon, gros poisson. Quête. 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 Ici. Examiner. La bénédiction d'Idriss. Cet objet semble provenir des environs, le lac de la Ralène se trouvant à proximité. D'un site Eldan, il y a peut-être quelque chose à découvrir au fond de l'eau. Je devrais chercher dans cette source, la source de cette relique. Pourquoi pas. Bon, c'est pas que je suis à moitié sans air, mais c'est presque le cas, hein. Oh, j'ai trouvé. Bla, non, je suis coincé dans les algues. Ah, mais c'est juste à côté de la ville en plus. Non? Pas sûr. Ah non, c'est juste à côté d'une zone complètement inconnue en fait. Ok, on y retourne. Hello. Waouh. Ok. C'était pas prévu, mais je suis rentré dedans. What the... Yo. Oui. La bénédiction d'Idriss. Oh, c'est toi. Je vois que tu as aussi trouvé cet ancien complexe Eldan. Je n'en ferai pas un peu d'aide si tu n'es pas trop occupé. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais t'expliquer ce qui va. Un groupe de plus de deux personnes de niveau 9. Je suis niveau 11, ça devrait le faire.
Je sens que nous allons nous entendre à merveille. Ok, c'est parti. C'est un véhicule qui dispose d'une... D'accord. D'une nouvelle barre d'action. Détruire la sonde. Ok, c'est bizarre. Faut que je répare, j'imagine, sans être repéré. D'accord, et chacun leur tour en plus. Alors, est-ce que ça annule ? Non, leur passage n'annule pas. Parfait, on en a commencé un peu. Ok. Faut le faire deux fois. Médaille de bronze obtenue. La vache. Merde. Je suis devant. Merci. Médaille d'argent obtenue. Ok. D'accord, en fait, faut que je renvoie du centre. Vous allez voir. Je renvoie du centre vers d'autres parties. En l'occurrence, la partie centrale. Vite. Non ! Je dois tout recommencer ? Bien le bonjour, citoyen. Je dois tout recommencer parce qu'il y a une putain de flaque qui m'a touché alors que j'étais en dehors de la zone ? C'est ce que t'es en train de me dire ? Oh la gueule ! Ah, c'est punitif, hein, comme on dit. Hein. Oh, me dis pas que t'étais pas fonctionnel. Ok, c'est bon. Je l'ai. Ici, c'est fait. Laisse-moi en paix. Ça, c'est bon. Non ? Comment ça, c'est pas bon ? Trois secondes. 2, 3. Vache. Il y a l'autre qui arrive là. Là, ça projette. Merde. Putain, s'ils sont synchrones, je suis dans la merde. Ah non ! Dégage ! Putain, mais il revient ! Dégagez ! Je vais être là au tournant, entre guillemets, hein. Non, pas de bêtises. Les deux reviennent. On va y... Quoi ? Mais j'ai un temps en plus ! Mais allez vous faire entuber ! Allez vous faire entuber ! What ? Ah bah tu m'étonnes que je le fasse tout seul le machin. Parce que là il y avait aucune raison que je me fasse virer. Parce que c'est vraiment le cas, je me suis fait littéralement virer hein. Je vais remonter un petit peu plus haut pour pouvoir avoir le reste du bassin. Cool, ça marche. Est-ce qu'il y a une animation pour quand ça se débloque ou pas ? Mission d'explorateur, ferme ta gueule.
Zéro animation. Par contre, si je fais ça, voilà, je l'ai. What? C'est moche, ça. What? Ah bah non, il se passe rien. J'ai eu peur l'espace d'un instant, je l'avoue. Alors, ici, on a quoi? Track, mutation primaire. Eh bah écoutez, on va aller voir ça, plutôt. Je crois que c'est sur les champignons. Même pas. Ça va être ici. Alors pour savoir exactement ce que je dois chercher, je crois que je peux me torcher. Vous me direz, c'est le principe de... Couchez, sale bête. Il a du point de vie, lui. Boum. Bouffe. Tiens, bouffe ça aussi, tiens, d'ailleurs. T'es pas mort? Meurs. Mais meurs. Qu'est-ce que j'ai comme bonus? Entrave, en plus. Chef d'expédition Woodrow, on dirait bien que t'as trouvé un bon coin pour revendiquer, mais avant de planter le drapeau, tu dois m'écouter. Ah putain, c'est encore ce truc-là? Je t'écoute. Quoi, tu découvriras quelque chose d'utile pour ce dernier. Les colons peuvent trouver des ressources supplémentaires pour la construction, les soldats peuvent mettre la main sur des coffres d'armes, découvrir des cibles à analyser. D'accord. Mais donc... Enfin, tu me dis, parle de planter un drapeau, mais il dit... Je suis pas je suis un explorateur, je suis pas un colon. C'est débile. Suivre le poisson imprégné d'énergie primaire dans le... Je te suis. Je te suis, poisson. Ou alors faut planter le drapeau et ça débloquera le truc, c'est ça? Ça le truc naze de chez naze? Parce que le poisson, il est, c'est bien celui-là, hein, on est d'accord, hein, enfin je pense. Comment ça marche? Suivre le poisson. Bah je suis prêt à le suivre, moi, le poisson en question, hein, mais... Il semble clairement pas prêt à y aller, quoi. Je sais pas. Si des gens savent, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravi d'en apprendre un peu plus. Avant-poste d'Eveilleur. J'y suis allé à ce moment-là. Histoire secrète. Oh bah tiens, on va passer par le truc là-bas, on va aller voir. On fait pas grand-chose dans cet épisode, hein, mais en même temps, tout ce qu'on fait, c'est chiatique. Faut le dire, hein. Hop. Hop. Ah, si seulement WoW pouvait passer en free to play. Ou en buy to play, même en buy to play, ce serait cool. Après, il faudrait que je me trouve une vie sociale après. Enfin, que je m'en retrouve une autre. Catastrophe. C'est pas la bonne touche. C'est en bas, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que c'est? Examen de l'antenne PEL. Oh. Effectivement, c'est un passage secret. Utiliser le panneau de contrôle oublié. Ouverture de la porte. Ça referme. Parfait. Hello, guys. Exploration. Tombe oublié. Utiliser le bras zéro oublié. Titre pisteur. Pourquoi pas. Et donc, Oh.
Oui, oui, j'ai tapé avant même qu'il donne le premier coup. Relique Eldan. Il m'a donné une relique Eldan, c'est ça? C'est seulement dans l'un des nombreux bibelots, babioles et autres bricoles que les Eldan ont laissé derrière eux. Une histoire oubliée. La relique Eldan a subi d'importantes modifications aux mains des pelles de Chasse-Tempête. Un membre de l'église de l'éveil sera forcément intéressé par une telle découverte. Sa place est dans un musée, c'est une référence à... J'espère que vous l'avez eu, donc c'est une référence à Indiana Jones. Et je pense, compte tenu du fait qu'il y ait beaucoup de squelettes, que ce soit encore plus une référence, parce que Indiana Jones, c'est à la base un archéologue. Hop. Bah écoutez, où est-ce qu'on est censé la rendre, cette quête? Bah alors? Ah là voilà, je suis trop con. La mission Perselus, bah voilà. Bah on y est pas loin en plus, c'est parfait. Hop. Ouais, je pense qu'on va pas faire une trop longue série sur ce jeu, hein. Je passerai peut-être à autre chose. Je verrai quoi, après je ne saurais pas quoi vous mettre ensuite à vrai dire. En tout cas là tout de suite je ne pourrais pas vous dire ce que je vais mettre ensuite. Mais bon, je trouverai bien, vous inquiétez pas. Il faut que je fasse attention quand je commence des séries sur des MMO parce que je peux pas les finir, c'est des MMO. Éveil et force. C'est une sacrée découverte, Marcus Bonus. Si tu dis qu'elle a été entre les mains des pelles de chasse-tempête, pardon, cet objet devrait m'aider à faire avancer mes recherches sur les mystères, Eldan. Quittez la conversation. Éclaire. Écoute, ce fut un véritable plaisir de pouvoir t'aider. Et bah écoute, on va retourner là-bas. Zone de niveau 7, d'accord. Bah écoutez, on va prendre la route et on va se diriger là-bas justement, tiens. Hop. La numéro 8, c'est quoi exactement? Allez voir la toubib rayonnante. Ah oui, je m'en rappelle ce truc-là. Effectivement. On avait décidé de ne pas aller la voir. Mais on aurait peut-être dû, vu le niveau auquel on nous sommes, mais au niveau auquel est la quête. C'est vrai, quand on joue à World of Warcraft, on a quand même une sensation qui est tout à fait unique. Hein. Sans vouloir être... Trouver les composants de la bombe perdue par l'officier. Nouvelle expédité sur son Bocro parti en fumée avec prototype. Trouver les pièces, répare le prototype au nom de la science. Astuce 1. J'ai vu l'énorme Malverine emporter Oxyen. Oxyen avait fragment dans lui. Fouille reste de Malverine, trouver fragment. Malverine, donc, Slanks accapareur des bois, pas très malin. Eux aimaient garder bling bling avec eux, va les tuer. Donc Slanks, Sombre Croc et Malverine. Hop les bouffes. Parfait. C'est pas ce qu'on a obtenu comme objet. Tuer le seigneur des marais, il est où? 900 mètres. Dans cette direction. On y va. On va suivre l'eau, hein, vous verrez bien, on va le trouver. Hein. C'est le seigneur des marais, hein, merde. Par contre, j'ai peur qu'il nous mette une baffe et qu'on soit mort. Hein. Il y avait un bouquin ici. Tu me fais chier. J'ai pas un nouveau. Non. Boum. Non. Ok, j'avais une indication comme quoi il y avait un. un bouquin. Ah oui, il est là-bas, d'accord. Récupérer. Une clé de périodique. Si tu le dis, à tes souhaits.
Est-ce que je peux avoir... Ah. C'est à cause de ça. Merci. Mètres par là. Nous n'avons fait que 300 mètres. Hein. Ouais. Le jour où WoW passera en buy to play, ils se feront des couilles en or, plus encore qu'aujourd'hui. Ce n'est pas toi pourtant. Ah, ça tombe bien. Pourquoi il s'attaque à moi? Ah oui d'accord. Ils sont deux en fait. Ok, je suis mort. Je pense sans trop me tromper que je suis mort. Voilà. C'est trop puissant celui-là. Bon bah tant pis. Bon! Eh ben, je pense que ça va mettre fin à l'épisode, chers amis. Restez à la holocrypte la plus proche. Ça ressemble à quoi une holocrypte? D'accord, c'est ça. Non! Eh bien, écoutez, les amis, c'est ça pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Pérou, on peut trouver le lien dans la manière de la chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez ou si vous avez des idées, à simplement commenter un nom de jeu auquel vous souhaiteriez que je joue. Un jeu sur PC, donc en l'occurrence. Un jeu qui vous plaît, et moi, même directement le lien Steam si vous le souhaitez. Hein. Et moi, j'irai voir ça directement ensuite. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez aussi à cliquer donc, dans le descriptif de l'épisode, vers rien du tout, parce qu'il n'y aura pas dans le descriptif de l'épisode, par contre, dans la bannière de la chaîne, donc vers le lien Twitch ou vers le lien Steam. Donc le Steam, ça correspond au groupe Steam dans lequel la Playroom, entre guillemets, donc vous, hein, vous et moi, nous partageons. Un groupe Steam classique, hein. La chaîne Twitch sur laquelle je finirai peut-être par aller, hein, on verra bien. Et aussi, bien entendu, donc le groupe, le lien vers mon partenaire Gamespot.com qui m'a offert beaucoup de jeux et qui offre des prix relativement corrects vis-à-vis des prix Steam, ils sont toujours un petit peu trop prohibitifs. Donc voilà les amis, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures avec mon petit col jaune. Qu'est-ce que je suis laid quand même. Par contre, j'ai des gros coudes. Ça c'est clair. Clure, donc entre clair et sûr. Pff, ça va plus. Allez, salut les gens.